attention. No one gets hurt. Go! Open the door. They'll get worse than hurt. Hey, hey, Doc, come on. Finally. Don't do anything. Let's go. Shut up. Shut the fuck up. Come on. In the back. Come on. Come on. Salut tout le monde, c'est Revenge83, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ce fameux GTA 5, hein, GTA 5 avec l'accent anglais, hein, qui était pas terrible, faut le dire. Donc pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement parce que Call of Duty, j'en ai vraiment 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 plein le dos. Allez, dégage, dégage, allez, allez, pshht. Allez, mange, bouge de là, là, que je puisse avancer. Oui, j'en ai marre de Call of Duty, je me suis dit pourquoi pas vous proposer un peu de diversité sur ma chaîne. Donc c'est vrai que j'ai posté ces trois dernières vidéos étaient des vidéos Call of Duty. Donc attendez, je fais le téléphone, parce que je suis en live, hein, je le précise, je suis en live. Hop, détonation. On va faire péter quoi? Ah, mais déjà le plastique est déjà posé, boum. Un coffre. Ouh, ça c'est bon ça. Donc oui, mes trois dernières vidéos, on va se rendre dans la banque, enfin dans le coffre. Mes trois dernières vidéos étaient du Call of, donc je me suis dit, pourquoi pas changer. Et vu que j'ai eu ce jeu un jour à l'avance, hein, donc je sais que certains ont déjà vu... ouais, on va prendre un peu de pognon. Je sais que certains ont déjà vu plusieurs gameplays sur GTA V, ce que je trouve d'ailleurs dommage, hein, avant que le jeu sorte, de voir les gameplays. Ils ont pris le risque de se faire ban leur chaîne pour avoir une pseudo-exclusivité. Donc ça, c'est vraiment... je trouve ça vraiment stupide. Donc 178 000 $ pour commencer, ça commence à le faire, déjà. Donc voilà, moi, je vous uploaderai ça le jour de la sortie, donc mardi, demain, à midi. Pour ceux qui ont le temps de regarder, bah, j'espère que ça vous fera plaisir. Alors, hop, on va changer de perso, si je comprends bien. Voilà, hop, viser... Boum! Allez, mange ta bastos. Pleine tête. Dédicace à saucisson furtif. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, on s'en fout. Donc il faut savoir qu'avant j'avais une chaîne de let's play. Donc là, ok, mettez-vous à couvert. Donc comment on se met à couvert? Carré? Non, pas carré. Alors là, je sais pas du tout comment on se met à couvert, les gars, déjà, donc ça commence mal. Rond, c'est rechargé. Baisser, je sais pas. L1 peut-être. Non, je sais même pas comment se met à couvert déjà. Non. Bah oui, je sais, attends des secondes. Alors là, on change la vue. Ouais, là, je tire dans le mur. Ah oui, d'accord. R1. Ok. Donc oui, j'avais une chaîne de let's play dans le passé que j'ai abandonné, hein. Mes premiers abonnés sauront de quoi je parle. Je vais pas en reparler aujourd'hui parce que ça a vraiment aucun intérêt. Mais j'ai arrêté parce que voilà, au début j'ai commencé, avant de commencer YouTube, enfin entre guillemets, j'ai commencé sur Gear Network. Maintenant ça n'existe plus apparemment et... Donc là on va se mettre à couvert, je me rappelle de la touche donc il faut... Hop là, voilà, ça, ça... Voilà, ça c'est fait. J'ai commencé sur Gear Network, qui était une chaîne, en fait, une plateforme où on pouvait partager des jeux qui n'étaient pas YouTube. D'ailleurs, la communauté Gear Network n'avait strictement rien à voir avec, avec la communauté YouTube. Hein, déjà, il n'y avait pas de like, pas de dislike. Y avait pas... En général, les commentaires n'étaient pas des commentaires rageux. C'était plus des commentaires du genre « Allez, toi !» En fait, toi, tu veux pas apprendre. C'était plus des... Allez, comment t'as fait pour me toucher? Je suis derrière le mur. C'était plus des commentaires du genre « Oui, ton son est un peu mal réglé », des choses comme ça. Et ce qui fait plaisir, c'est que j'ai quand même, malgré tout, gardé plein d'abonnés de cette plateforme. Donc je les remercie s'ils regardent cette vidéo. Hein. Ils se reconnaîtront, il y a Isa, il y a Sora, il y a pas mal de monde. Donc voilà. Je sais que demain il y aura une tonne de vidéos sur GTA V, j'en suis conscient. Donc je vous dis pas que la mienne sera meilleure que les autres. Hein. Moi j'ai juste envie, j'ai juste eu envie de me le prendre et de partager avec vous. Donc bah, si vous avez envie d'en voir une autre, il n'y a pas de souci, je vous en voudrais pas, loin de là. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Vous savez que les vues et les abonnés, c'est pas ce qui m'importe.
En parlant d'abonnés, hein, oui, je viens d'atteindre les 5000 abonnés, donc je sais, c'est pas... Donc comment on fait pour courir, hein? Choisir rapidement un personnage, d'accord, pour changer de perso, ok. Ça c'est bien, on peut changer de perso quand même. Bouge là, tu me gênes. Allez, faut recharger. Donc je viens d'atteindre les 5000 abonnés, donc je sais c'est pas grand chose, mais pour moi c'est un cap important, ça me fait plaisir d'avoir atteint les 5000. Donc, là je fais n'importe quoi par contre. Ça me fait plaisir d'avoir atteint les 5000. Oh, j'ai plus d'armes. non, les coups de poing, d'accord. Ah ok. Oh là là là. Ouais, c'est pas simple. Quand on connaît pas les touches, hein. Je connais pas les touches, je l'ai allumé. Hop là. Je l'ai vraiment allumé et mis en route et je vous fais le la petite découverte comme ça vite fait. Oh là là là. Donc un petit conseil que je vais vous donner, je l'avais réservé chez Micromania, mais là encore une fois chacun en fait ce qu'il en veut. Donc Micromania ne joue pas du tout le jeu avec les gens, du moins pour. Mais qu'est-ce que tu fais? Je me trompe de touche. Donc du moins pour ma part, ça fait des années que j'achète mes jeux chez Micromania et là ils ont pas voulu me le vendre. Enfin ils veulent le vendre un peu à personne. Allez, toi tu t'es pas visé ou quoi toi? Enfin, il est où? Ça fait des. Voilà, on va peut-être pouvoir avancer. Enfin, je me suis encore trompé de bouton. Ils ont pas joué le jeu, ils ont pas voulu vendre le jeu avant. Et, enfin, ils nous font attendre jusqu'à mardi alors que bon, on est peut-être, je crois, des millions à l'avoir réservé. Je trouve pas ça vraiment honnête de leur part. Sachant que chez Micromania, le jeu coûte. Bah, ils sont où? Je peux pas te tirer dessus ou quoi? Ah, ils sont déjà partis, ok. Non, non, c'est bon, tu mets pas à couvert. Voilà, sachant qu'il y a déjà des millions de gens qui l'ont commandé, la moindre des choses, ça aurait été quand même pour les clients fidèles. Hein. Quand je parle de clients fidèles, c'est les gens qui ont les cartes VIP, donc qui lâchent assez d'argent dans le mois pour pouvoir avoir cette carte. Pour moi, ça aurait été normal de l'avoir. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai une carte VIP, mais pour moi, c'était tout à fait normal de l'avoir un petit peu avant, donc ils n'ont pas joué le jeu. Hein. J'ai un ami qui l'a, qui a un magasin de jeux vidéo, donc je lui ai demandé, en fin de compte, j'aurais pu l'avoir samedi. Mais c'est vrai que sur le coup, j'y ai pas pensé. Puis de toute façon j'avais pas le temps de faire un let's play, hein. Vous savez, tous ma vie, mon fils, etc, le taf, je bosse beaucoup en ce moment, donc j'aurais peut-être pas eu le temps de me mettre à faire un let's play ce week-end. Donc là je suis rentré, je raconte ma vie, hein, un peu plus tôt du travail, ce qui est un rendez-vous qui a été décalé, ce qui me permet d'avoir 2 heures de libre avant d'aller chercher mon fils et de vous faire cette petite vidéo. Donc j'espère que ça vous fera plaisir, hein. J'ai pas vraiment d'autres mots. Et je vous remercie encore une fois pour vous, pour ces 5000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Pour les commentaires, ah c'est moi qui conduis, d'accord. Pour les commentaires que j'ai eu lors de mes dernières vidéos, pour les pouces verts, hein. Même si je pense que vous auriez pu faire mieux, hein, mais bon c'est pas grave, j'ai jamais réclamé de pouces verts, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Qu'est-ce que je voulais dire, là, je suis un peu concentré en fait là, donc c'est pas simple. Oui, donc je vais faire un petit concours les gars, donc j'en ai déjà fait deux de mes abonnés, j'ai déjà fait gagner un casque, faut que je suive le GPS en même temps, c'est pas facile, faut avoir un peu l'œil partout. J'ai déjà fait gagner un... Oh non! Ouf, heureusement qu'il y a les pneus neige. J'ai déjà fait gagner un casque, un Triton, j'ai déjà fait gagner une carte PSN 50€, donc là je sais pas, je vous ferai peut-être gagner une manette. Une manette que je me sers pas trop, une manette spéciale Call of Duty que ma copine m'avait acheté, je m'en sers pas trop, je l'ai juste déballée, elle a jamais servi, donc si ça vous intéresse, pas la peine de mettre je participe en commentaire. Pardon, je parle pendant les cinématiques. Pas besoin de mettre je participe en commentaire, vous laissez votre commentaire naturellement et puis vous marquez depuis combien d'abonnés, depuis combien de temps vous me suivez, ça m'ira très bien. Voilà. Donc je vous demande pas de la mettre en favori ni quoi que ce soit, hein. Juste un petit j'aime si la vidéo vous a plu et si vous en mettez pas, c'est pas pour autant que vous serez pas sélectionné. Voilà, bon j'ai fini avec ça. Je le mettrai pas dans le titre de la vidéo, ça évitera de ramener les petits profiteurs qui viennent sur les vidéos juste pour mettre je participe. D'ailleurs toute personne qui mettra je participe, le commentaire sera supprimé ou mis en tant que spam. Donc là on est dans la merde les gars, on est vraiment dans la merde. Mes deux potes viennent de se faire tirer dessus, ils sont tous les deux par terre, je suis tout seul, il y a 2 voitures de flics. Ouais, là, il était par terre, c'est fini, toi.
Voilà, ça c'est fait. Ouais, mais il y a encore deux bagnoles qui arrivent, et les gars, j'ai pas... J'ai pas une M60. Hein. Ça c'est bon, ça c'est bon. Je m'excuse par excellence. Par avance, si vous entendez le bruit de ma console, les gars, c'est juste que... C'est la toute première génération et franchement elle fait un bruit, j'ai l'impression qu'elle va décoller. J'ai eu beau faire la manip nettoyage ventilo, ça a pas marché, donc j'essaierai de m'arranger pour pas que vous l'entendiez. Si vous l'entendez, veuillez m'en excuser. Bon alors. Eh, hey, t'aurais dû la garder en otage mec, hein. Ça aurait été plus simple. Bon bah apparemment on a fini la première partie, je sais pas ce que ça va donner pour la suite, mais on a fini la première partie. Bon apparemment on a perdu notre pote. Hein. We know that you will show mercy to our friend. Bon, j'évite de parler pendant les cinématiques parce que moi, quand je regarde un let's play ou quand j'en faisais dans le passé, je parlais pas pendant les cinématiques. Donc là, je vous laisse les cinématiques et puis je sais pas combien de temps la vidéo va durer, j'en sais strictement rien. Avec le temps de montage que j'ai à faire et le PC que j'ai qui rame à fond le gros lot. D'ailleurs, si vous avez un PC à me conseiller en commentaire, je suis preneur les gars, vraiment je suis preneur. Un bon PC qui rame pas. Your son James, he's a good kid. He's a good kid. A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. Same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Hmm. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Ouais, donc c'était un peu long la cinématique, les gars, je suis désolé. Mais bon, c'est pas moi qui ai fait le jeu. Hein. En tout cas, oui, je vous parlais d'un PC. Pour ceux vraiment qui s'y connaissent, me conseiller un PC. Donc, j'utilise que des PC portables, par contre, les gars. Pas de tour, parce que j'ai. Je vais pas dire que j'ai pas la place, mais bon, ma copine risque de péter un plomb si je monopolise 2 mètres carrés d'une pièce pour mettre un PC pour pouvoir faire mes vidéos. Donc, un PC portable, si vous avez, ça sera avec plaisir. Sachant que j'utilise maintenant Adobe Premiere, donc mes temps de rendu sont beaucoup plus longs que sur Pinnacle. Et les temps de rendu et les temps du cloud sont beaucoup plus longs. Donc voilà. Mais je sais qu'il y a des petits geeks qui ont des PC super puissants, des super PC. Donc en tout cas, je remercie Hero13 de m'avoir aidé à me servir d'Adobe. Parce que je savais pas du tout m'en servir. Alors je sais que beaucoup de youtubeurs s'en servent et franchement, c'est vrai que c'est le top.
En tout cas, merci à toi, mec. Ça fait plaisir. Another brilliant Lamar Davis production. Fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting and reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie. Ouais, donc les gars, je suis vraiment pas un spécialiste GTA V, donc si je dis des conneries, c'est j'ai l'impression que le mec il regardait lui-même sa propre tombe. Bah, je peux me tromper, il se fait passer pour mort, je sais pas. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, les gars. Putain, les caisses, ça commence bien. Une petite Corvette pour commencer et une Audi R8. Ah, laquelle je veux, bah là c'est simple, hein. Je sais pas pour vous les gars, mais moi ça sera Audi R8. Hein. Y a pas photo. Donc on va un petit peu conduire histoire de, et puis après j'arrêterai la vidéo histoire de pas vous en mettre pour 20-25 minutes. Mais sachez qu'avec les cinématiques et tout du départ, j'ai vraiment pour ouvrir fermer le toit d'une décapotable. Ah ouais, c'est bien ça. Ah ok. Sachez qu'avec les cinématiques, j'ai pas vraiment pu faire plus court. J'aurais voulu faire plus court parce que je sais que les longues vidéos, ça vous intéresse pas trop et que vous avez les cours, etc. Ah non, je vais pas commencer à la mettre dans le mur. Les gars, si je touche pas un mur, ça va me faire plaisir. Parce qu'une voiture comme ça, les gars. Oula. D'accord, faut pas amocher la bagnole en fait. Donc on va la ramener, je pense. Voilà, on va la ramener au point. On est parti du point A, hein. On va la ramener au point B. Avec le collègue, mince, j'ai pris un poteau. Et après, j'arrêterai la vidéo, les mecs. Ou les filles, hein, je sais qu'il y en a. Wouah, t'es malade ou quoi, toi? Ouais, ça bombarde quand même pas mal, hein. Mais j'ai juste une impression, c'est que c'est que les cartes sont immenses. C'est l'impression que j'ai pour l'instant. Donc déjà, si on commence à brûler les feux, les gars. Moi, j'ai toujours aimé ce jeu. Je les ai tous eus avant pour la simple et bonne raison, c'est qu'on pouvait faire tout ce qu'on n'avait pas le droit de faire dans la vraie vie. Et surtout parce que, et ça, c'est la raison principale. Hein, j'aime beaucoup mon petit frère. Et en fait, c'est aïe, pardon. Tu pourras pas tourner la suite de ton film. La bonne raison, c'est qu'en fait, c'est le seul jeu où je peux jouer avec mon petit frère. Du moins, on est sur la même longueur d'onde sur ce genre de jeu. Alors que sur les Call of, mon frère, il est pas trop fan. Sur les jeux de sport, mon frère, il est pas trop fan non plus. Donc je pense que sur GTA, ça va le faire. Putain, mais il m'emmène où, lui? Je prends les contresens et tout, là. Oh là. Je vais finir par te rattraper, mon mec. Elle rame ta Corvette, hein, mon pote. Hein. Wow. Oui, en tout cas, je pense que pour les gens qui m'ont demandé lors de ma dernière vidéo, les lives sur la chaîne de Team, donc ça va arriver très prochainement. C'est juste que moi, déjà, avec ma chaîne, j'ai pas spécialement le temps, donc ça va être Damien qui va... Aïe. Mince, putain, n'importe quoi. Ça va être Damien qui va s'occuper de Rec. Et je pense, et là, ça sera un projet sympa, j'en ai parlé avec Lapinou tout à l'heure. On va tous l'acheter, du moins moi, Damien et Lapinou on l'a déjà, donc je sais pas si toi, Nas vont l'acheter. Mais en tout cas, on va faire des lives tous ensemble sur Skype. En fait, on va se caler sur la même... Oh là là, désolé mon pote. On va se caler tous les quatre sur Skype, on va se mettre à la même mission, puis on va discuter en même temps, on va se dire où on en est, ce qu'on fait, blablabla. Et je pense que ça pourrait être sympa. Voilà. Eh, mais toi, tu commences à me saouler, hein, tu m'emmènes où, là? Ouais... Tu conduis comme une mamie, bah ouais, mais j'ai cartonné deux fois la bagnole, mon gars. Oh là 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 là, j'ai déjà raté, failli. Voilà.
Donc on a ramené les bagnoles à bon port, c'est déjà ça, elle est pas totalement bousillée. What you gonna slow the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let some flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh shit. Oh shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit, my ass. Oh putain, merde. Ouais, la concession, c'est où? Ah non, oh là. Ah, ça me fait rire parce que je sais pas du tout où je vais là. Oh non. Ouais, heureusement que ça a un peu de pêche. Ouais, le GPS il est où là les gars? Ah d'accord, faut plus avoir la police dans le... Ok, ça marche. Bon, je pense qu'avec cette bagnole, ça devrait être simple de semer la police quand même. Ok. Ouais, maintenant je vais où? Ah ok, mon pote est là. C'est good. Donc les gars, on va à la concession et une fois que je suis à la concession... Ah mince. Oh merde. Oh, comment je vais te feinter? Bouge de là. Ouais, bouge de là. T'es sérieux? Ah, la bagnole, je vais la déglinguer, les gars. N'importe quoi. Oh non! N'importe quoi! Voilà, vas-y, on se casse de là. Allez. Ah. Oh là là, faut prendre la route à contresens les gars. Bon en tout cas j'espère qu'on va s'arrêter là les gars, je vais pas aller jusqu'à la concession parce que ça fait déjà plus de 20 minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas hein, vraiment si ça vous a plu à laisser un petit pouce vert les gars, ça coûte rien, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez un let's play, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et j'essaierai de vous faire un petit let's play. En tout cas, oh là là. En tout cas je suis désolé pour ceux qui m'attendent sur Call of Duty mais à mon avis je vais pas retourner dessus tout de suite. Sur ce les gars, portez-vous bien, geekez pas trop, allez bye tout le monde.